Investir de l'argent dans de la crypto-monnaie facilement et rapidement. Eh bien, c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Et aujourd'hui, je vais donc te présenter une plateforme qui te permet eh bien, d'investir ton argent dans de la crypto-monnaie. Et elle se nomme donc Cryptomat. Elle est vraiment aussi dédiée pour les débutants puisque l'interface est vraiment très simple, mais aussi pour les intermédiaires. Il faut bien comprendre que l'objectif est donc de faire fructifier ton épargne, que ce soit sur les marchés financiers, dans l'immobilier ou bien ici, que ce soit dans de la crypto-monnaie. Bien entendu, très important, il ne faut pas que l'investissement, en fait ici, impacte ce que j'appelle ta routine financière. Tant que cela fait d'ailleurs plusieurs années maintenant que j'investis dans de la crypto-monnaie, donc je commence à avoir aussi un petit peu de recul. Et je te présente aujourd'hui Cryptomat, c'est parce qu'aussi, on va avoir, est-ce que j'aime beaucoup, une plateforme web, qui est d'ailleurs vraiment sympa, avec des petites options qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et puis on va avoir aussi, bien entendu, une application mobile, qui est d'ailleurs disponible sous iOS et sous Android. Elle est gratuite, bien entendu. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu vas pouvoir en fait retrouver une multitude de vidéos sur leur plateforme, qui vont tout simplement te montrer comment t'inscrire, comment par exemple acheter du Bitcoin, comment acheter de l'Ethereum. Donc en fait, t'as vraiment pas mal de petits suivis là-dessus et c'est vrai que tout reste très simple, donc ça aussi c'est plutôt cool. Alors, autre chose aussi auquel je voulais te parler, j'en parle énormément sur mon compte Instagram, n'hésite pas à me suivre aussi là-dessus, c'est concernant l'inflation puisque je vais te mettre aussi le lien d'un article dans la description de cette vidéo et aussi bien entendu le lien de Cryptomat dans la description de cette vidéo. Eh bien, concernant l'inflation, c'est-à-dire que le prix de la vie augmente d'année en année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, laisser toute son épargne à la banque avec le livret A par exemple, avec un rendement de 0,5% par an, c'est pas si intéressant que ça parce que par exemple ici en Europe, il disait que l'inflation était en moyenne de 3% par an. C'est-à-dire que 10 000 euros à l'époque, enfin en tout cas il y a un an, eh bien aujourd'hui ça vaut à peu près 9 600 euros. Si on prend ici d'un point de vue investissement dans la crypto-monnaie, imaginons le Bitcoin, 10 000 euros il y a un an, eh bien comparé à aujourd'hui, ça vaut à peu près 30 000 euros puisqu'on a fait presque 200% depuis un an. Les caractéristiques de la plateforme Cryptomat. L'inscription est simple et rapide. J'ai mis quelques minutes avant de créer mon compte, ce qui est vraiment bien. Je l'ai fait depuis l'application. On va retrouver forcément une petite étape de vérification d'identité, mais j'ai mis, je crois, 2-3 minutes grand maximum. Il est donc possible forcément d'acheter et de vendre de la crypto-monnaie. On va retrouver plusieurs centaines de cryptos, donc ça, c'est vraiment énorme puisque, pas toutes les plateformes proposent autant de crypto. On va retrouver principalement du Bitcoin, forcément l'Ethereum, le Doge, le Litecoin, l'XRP, ADA par exemple. On va retrouver d'autres crypto-monnaies. Enfin voilà, il y en a énormément, donc c'est pas ce qui va manquer ici. Portefeuille multi-devise. Alors moi par exemple, quand je vais faire mes virements, ça sera en euros, mais tu pourras aussi utiliser bien entendu d'autres devises. Alors ça c'est très important, c'est concernant le stockage, si tu veux, au niveau de la sécurité de la plateforme. On a la réglementation de l'Union Européenne et on a aussi l'authentification par SMS et ou aussi si tu veux par Google Authentificator. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, c'est-à-dire la double vérification lorsque tu vas te connecter par exemple avec un nouvel appareil ou avec le même appareil, puisque bien entendu il y aura de l'argent dessus, donc faut que la plateforme soit vraiment sécurisée. On aura aussi la disponibilité, en fait si tu veux, ça sera du stockage hors ligne à froid, donc ça aussi n'hésite pas si tu souhaites avoir un peu plus d'informations à regarder sur leur site internet. C'est quelque chose aussi de très important et qui permet vraiment d'avoir une plateforme ici plutôt solide en termes de sécurité. Alors il est aussi possible de recevoir de la crypto-monnaie ou bien d'envoyer de la crypto-monnaie depuis Cryptomat à un autre wallet. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Tu vas pouvoir acheter par exemple de la crypto-monnaie depuis une carte bancaire. Et ou alors aussi tu vas pouvoir faire un virement sur ton compte Cryptomat. Et ça c'est vraiment bien parce que le virement bancaire c'est un petit peu plus long, mais au moins il n'y a aucun frais puisque tu vas retrouver des petits frais avec la carte bancaire. Donc moi ce que je te conseille forcément c'est quelque part si tu peux faire un virement bancaire autant en faire un, comme ça au moins t'évites les frais concernant la transaction ici. Tu vas pouvoir retrouver forcément le graphique de toutes les cryptos en question. Tu vas pouvoir mettre aussi des crypto-monnaies dans tes favoris, c'est-à-dire que quand tu vas arriver tu vas te connecté sur ton compte Cryptomat depuis la plateforme OM ou depuis le smartphone, eh bien tu vas pouvoir retrouver les cryptos dans tes favoris et puis regarder rapidement un petit peu si tu veux les variations. Plateforme web,
ce qui me permet aussi de pouvoir te montrer beaucoup plus de choses, mais la plateforme mobile est vraiment très bien. Alors, eh bien c'est très très simple, hein. Ici nous avons donc mes porte-monnaies, comme on peut voir ici, on a le compte euro où je vais pouvoir aussi faire virement bancaire dessus, et puis dessous j'ai du LTC, donc du Litecoin, une crypto-monnaie que j'aime beaucoup, qui est un peu, si tu veux, le Bitcoin c'est un peu l'or numérique et le Litecoin c'est un peu l'argent numérique, sauf que si jamais tu fais un peu des recherches, le Litecoin est vraiment en sous-performance comparé au Bitcoin, donc il peut potentiellement à l'avenir superformer le BTC, et ça peut être en gros intéressant aujourd'hui potentiellement, pourquoi pas, attention il y a un risque, mais d'investir dans le Litecoin. À droite nous avons donc forcément mon portefeuille que je vais pouvoir aussi flouter, donc ça aussi c'est une bonne chose que j'aime bien quand on met ce genre d'option. On va pouvoir voir bien entendu un peu le graphique, hein, sur un jour, sur une semaine, sur un mois, sur un an, donc voilà, donc là dessus il y aura pas mal d'informations. Par exemple sur un jour aujourd'hui on a pris un peu plus de 1%, et comme tu peux voir ça fluctue, hein, la crypto-monnaie, c'est vrai, bah, d'où son nom, hein, et beaucoup de gens aiment ça aussi, ce sont les variations où ça peut très vite bouger. C'est pour ça que honnêtement moi dans mes stratégies je vais plus me projeter sur 6 mois, sur un an. Pour trouver un petit peu les crypto-monnaies en question, le Bitcoin, l'Ethereum, alors on a de l'USDT qui est une stablecoin, alors Engine que j'aime beaucoup, qui est une crypto-monnaie qui va être dans un peu dans le, si tu veux, l'univers un petit peu du gaming, et c'est vrai que c'est une bonne chose. On a le Dogecoin, le NEM, le VET, le Mana, le Chiliz et le SAND. D'ailleurs ce sont les crypto-monnaies auxquelles j'ai mis une petite étoile, donc un petit favori, parce que par exemple si je souhaite je peux afficher toutes les monnaies, c'est-à-dire que toutes les cryptos, et c'est vraiment bien parce qu'en fait tu vas pouvoir voir depuis la plateforme un petit peu toutes les variations, tu vas pouvoir même les trier si tu le souhaites. Alors par exemple on va juste prendre, je pense, l'exemple du Bitcoin, mais regarde tout ce qu'il y a comme crypto-monnaie, donc c'est vrai qu'on peut vraiment se diversifier là-dedans. Alors on va prendre le Bitcoin, si on regarde, on clique dessus. Actuellement, donc alors ici on est dans la devise euro, on va pouvoir aussi changer selon on souhaite. Moi je préfère honnêtement être en dollars, après ça me dérange pas d'être en euros. Si on regarde par exemple sur un an, comme on a pu voir, sur un mois on a une variation négative, mais sur un an même c'est plus que ce que je te disais en début de vidéo, puisqu'ici on a 265% d'augmentation, ce qui est juste énorme. Donc total du marché, par exemple ici on a presque 1000 milliards d'euros, tout simplement le volume, donc c'est vrai que ce sont des gros montants. On a 30 milliards en 24 heures en volume, et offre en circulation, puisqu'on retrouve 18 889 950 BTC. Alors ce qui est très intéressant, ce que je te disais en fait, c'est qu'ici tu vas pouvoir mettre des alertes de prix, c'est à dire que tu vas pouvoir aussi être notifié si jamais le Bitcoin chute de 5-10%. Ça peut être très intéressant pour toi si tu souhaites acheter à des points plus bas. Autre chose aussi que j'aime beaucoup, c'est qu'on va pouvoir définir un achat, pouvoir aussi faire un achat récurrent, et ça c'est vraiment bien parce que c'est ce que je te disais, c'est ce qu'on appelle un DCA, dollar cost average. Et d'ailleurs je trouvais ça assez drôle parce qu'il y avait un millionnaire qui disait, si tu arrives à mettre un petit peu d'argent dans de la crypto-monnaie toutes les semaines, dans du Bitcoin principalement, et eh bien tu verras, mais au bout de 5 ans tu auras une belle surprise, ce que je crois aussi également. Alors acheter, vendre, échanger, on a ces trois options. Alors par exemple ici je sélectionne 50 euros, et donc bien entendu ici on va voir la fréquence, c'est à dire que je peux mettre un petit peu, par exemple 50 euros par semaine, je peux même d'ailleurs choisir le jour, ça c'est vraiment bien. Alors c'est important, mais il faut que ton compte Cryptomat soit crédité, c'est à dire que en amont faut que tu fasses ton virement sur ton compte Cryptomat, et il faut bien que ton compte Cryptomat ait l'argent pour pouvoir automatiquement, bah ici par exemple, mettre les 50 euros par semaine tous les mardis par exemple, je peux sélectionner comme ça, ou par exemple toutes les deux semaines, ça aussi c'est une très bonne chose. Je peux mettre aussi tous les mois, mensuel, c'est-à-dire qu'en fonction des gens, bah, y en a qui vont préférer mettre un peu tous les mois, imaginons 100 euros tous les mois dans du Bitcoin, pourquoi pas. Le mode de paiement, voilà, et puis là par exemple, aperçu de la transaction récurrente, imaginons je valide, donc ici comme quoi je vais donc payer environ 100 euros de Bitcoin tous les mois de manière mensuelle. Je fais confirmer, et donc ici bien entendu il va falloir que mon compte Cryptomat soit bien crédité, donc de 100 euros, je fais fermer et hop, tout est bon. Je peux aussi bien entendu, si je souhaite, comme on peut le voir ici, achat récurrent, je peux à tout moment supprimer, annuler l'achat récurrent, donc je clique dessus, confirmer, il n'y a aucun souci avec ça. D'ailleurs à droite, pour celles et ceux qui s'y connaissent vraiment pas, on va pouvoir voir son solde en BTC et bien entendu aussi en euros juste en dessous, et on va pouvoir recevoir ou envoyer de l'argent. Alors ici je ne vais pas pouvoir, forcément je n'ai pas de Bitcoin, mais si on va retourner au niveau des actifs, on va aller dans le Litecoin qui est un petit peu plus bas et qui est aussi dans mes favoris, on peut voir que j'ai 0,26 00699 LTC, l'équivalent là actuellement de 47,93
euros. Alors là, globalement, je vais pouvoir recevoir de l'argent. C'est-à-dire que là, ici, donc n'envoyez que du Litecoin LTC cette adresse, donc afficher l'adresse LTC. C'est-à-dire que ici, là, comme tu peux le voir, ce QR code, si jamais quelqu'un le lit, il peut m'envoyer de l'argent sur mon adresse LTC, Litecoin, avec ce QR code-là, ou bien avec ce qu'on appelle l'adresse du portefeuille qui est juste en dessous. Le petit bouton à droite, ça permet de copier-coller tout simplement son adresse pour pas se tromper et pour l'envoyer à quelqu'un d'autre s'il aimerait bien t'envoyer du Litecoin. Donc c'est vraiment très simple, et si je souhaite envoyer, bah, je souhaite tout simplement envoyer de l'argent. Il faudra que je remette eh bien l'adresse Litecoin en question. C'est important, mais quand tu vas vouloir envoyer d'une crypto à une autre crypto, c'est-à-dire qu'il va falloir envoyer du Litecoin à une adresse Litecoin. Donc on va voir mon profil, donc ici Christopher Morfin, je clique dessus, mon compte Prime Sécurité Historique, section d'aide. D'ailleurs, si on va sur Sécurité, franchement, tu vas voir, bah, par exemple ici, on va voir la vérification du SMS, et je vais activer aussi par la suite Google Authentificator. N'hésite pas à me suivre sur Instagram parce que je ferai un petit suivi sur ce compte-là, puisque je vais mettre plusieurs centaines d'euros aussi par la suite, un petit peu toutes les semaines et tous les mois certainement, pour faire fructifier en fait une partie de mon épargne. Si on regarde, on va sur mon compte, après on aura accès aussi à toutes ces informations, la monnaie locale, la langue aussi, parce qu'ici on est en français, donc ça aussi c'est une bonne chose. Par exemple, si je vais sur ici acheter et vendre, bah voilà, je vais pouvoir choisir la crypto-monnaie en question. Je vais pouvoir aussi choisir le mode de paiement. Alors je peux par exemple ici faire donc par carte bancaire, mais si on retourne ici, hop, je retourne, et puis on va aller tout simplement sur la page d'accueil, on va pouvoir faire un virement bancaire. Voilà, donc je vais aller sur mon compte euro, et c'est à dire que je vais pouvoir envoyer de l'argent sur ce compte là donc ici, hop, je fais dépôt. Donc à droite, c'est aussi simple que ça. Alors je peux choisir en livres sterling ou bien en euros. Donc moi, bah forcément, ça sera en euros. Et donc ici, c'est très important, mais tu auras donc ton RIB auquel il faudra envoyer donc le virement bancaire sur ici cette IBAN là. C'est très important, mais il faut bien mettre ce qu'on appelle la référence et la description. C'est-à-dire que le motif du virement, ils appellent ça, eh bien, il va falloir que je mette, que j'indique ça dedans. Pourquoi? Bah parce que quand je vais envoyer de l'argent sur cette IBAN là, en fait, si tu veux, la référence, la description, c'est associé à mon compte ici CryptoMath. Donc d'ailleurs, si tu veux m'envoyer de l'argent, bah tu peux sans aucun souci. Mais ce que je veux dire par là, n'oublie pas de mettre la référence et la description dans le motif du virement, aussi simplement que ça. Voilà, et puis si tu veux, tu peux même d'ailleurs déposer de l'argent depuis ta carte bancaire, ou alors te transférer de la crypto depuis un portefeuille extérieur et sur ton portefeuille CryptoMath. En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter la plateforme CryptoMath aujourd'hui. N'hésite pas aussi à me dire, je suis vraiment très curieux de savoir si tu as investi en tout cas, que ce soit sur les marchés financiers, dans de la crypto-monnaie, sur par exemple le marché immobilier, et dans de la crypto-monnaie, bah, dans quelle crypto tu investis. Alors très important, il faut aller aussi à son rythme, comme je t'ai dit, il faut aussi investir des petits montants au démarrage, cet investissement X, puis après je vais mettre un petit peu, donc faire un DCA un petit peu toutes les semaines, tous les mois, en fonction bien entendu de combien je souhaite investir. Et c'est vraiment de la discipline, et puis croire aussi en ce qu'on investit. Et ça rejoint un petit peu la phrase de Warren Buffett qui dit tout simplement bah, que déjà la première chose, c'est de croire en ce que tu investis et de savoir déjà dans quoi tu investis. Donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner bah, sur le Bitcoin, sur finalement bah, le fonctionnement du Bitcoin, la blockchain en elle-même, le côté où on a un réseau décentralisé, sa puissance, pourquoi aujourd'hui bah, il y a tellement de personnes qui sont concentrées eh bien, on va dire, sur cette technologie-là. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.